Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser cette jolie petite fleur comme ceci, donc qui est sublime, un petit charms. Donc voilà, place au tuto. Alors, on va commencer. Donc, premier, deuxième, troisième, et on repart de là. Premier, deuxième, troisième. Je vous conseille de bien les baisser parce que comme ça va prendre pas mal de place, comme on va en mettre pas mal, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, on va faire la petite fleur. Donc bah, là, j'ai choisi de faire cela. Non, cela, pardon. Alors, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc baissez bien toujours pour que ce soit plus fluide. Voilà. Et là, on recommence. On remet un là. Et on reprend un là comme le premier. Et le dernier. Voilà. Donc ensuite, on prend un élastique de la même couleur que le premier rang. On fait un tour comme ceci. Hop. Et on le met au milieu. Voilà. Ensuite, on tourne et on va... On va tresser. Alors, on va commencer par les fleurs. Donc, on pousse celui-là et on va venir chercher. En fait, on vient chercher celui-là. C'est pas forcément des plus simples au début. Voilà. Et là, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on va prendre celui-là. 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 Hop, et celui-là. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va prendre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va prendre le tout premier rang ici qu'on a fait. Voilà. Donc on va plonger là, prendre le premier et le ramener ici. Voilà, comme ceci. Et pareil, on va prendre le premier, le ramener ici. On prend le premier et on le ramène ici aussi. Et on recommence dans l'autre sens. Donc comme ceci. Voilà, on prend celui-là et on vient là. Et on prend le dernier et on vient
parti. Et pour terminer, on prend donc le petit, on le met comme ça, et on prend de ce côté, on le met là, voilà. Donc ça doit donner, ça, voilà, et pour finir, on met au milieu, on prend un de couleur, hop, on le fait passer, comme on fait d'habitude, comme ceci, on le prend, hop, voilà, et là normalement, on tire tout, et on doit avoir une jolie fleur. Donc vous la mettez en forme. Hop. Hop. Et voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il aura été assez clair. Vous pouvez vraiment le décliner dans toutes les couleurs que vous voulez. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, HelloCotton, Snapchat, Skype, etc., etc., ainsi que mon blog. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis bonne création et à la prochaine. Bye !